Notre Père, qui es aux cieux, que Saint-Jean soit parmentier, que ta volonté soit place et faite, que ton règne arrive sur bonne terre comme pour celle. Donne-nous Galénie, notre arbre comartin, et ne nous soumets pas à la convention. Cambronne-nous nos défenses, comme nous aurions à ceux qui nous ont maraîchés. Délivre-nous des halles, l'irrémédible. Ça ne va pas très fort. Nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord sur le problème de la langue et de savoir comment on allait la rattraper, donc on va travailler en ordre dispersé. Je suis désolé. Certains pensent que la langue, c'est une chose qu'il faut traiter comme de l'histoire sérieuse, travailler sur les origines. D'autres essayent de donner des conseils absolument incongrus à des disciples imaginaires qui ne connaissent rien. D'autres encore labourent la langue comme un chant de calembour. Enfin, c'est terrifiant. Heureusement, un autre viendra rehausser un peu le niveau en parlant de littérature, qui est quand même l'usage maximal qu'on peut faire de la langue. La littérature, vous le verrez, c'est le pied. Donc, la parole est à Marcel, hélas, pour l'expérience de psalmétique. La linguistique, dont il va être question un peu ce soir, est assurément une science noble qui compte parmi ses ancêtres une foule de noms prestigieux, comme par exemple ceux de Cratyle, d'Hermogène, dont le dialogue nous a été rapporté par Platon. Au nombre de ces glorieux ancêtres figure un personnage plutôt inattendu, puisqu'il appartient à la longue série des pharaons d'Égypte. Il est même, pour être précis, le 6e et dernier roi de la 26e dynastie. Son nom est Psammétique, 3e et dernier du nom. Les manuels d'histoire le connaissent surtout pour ses devoirs avec les Perses, mais les ouvrages de linguistes omettent rarement de mentionner l'expérience à laquelle il se livra. On croyait les pharaons obsédés seulement par le souci d'assurer leur survie en bâtissant les monuments les plus impressionnants et les plus durables possibles. Psammétique 3 nous montre que certains, au moins parmi eux, avaient d'autres soucis et étaient capables de mettre leur pouvoir au service d'une recherche d'ordre scientifique. C'est Hérodote qui nous livre le récit particulièrement circonstancié d'une expérience menée par Psammétique. En bon père de l'histoire, que de notoriété publique il est, Hérodote prend soin de nous donner ses sources, à savoir les prêtres d'Héphaïstos à Memphis. Les prêtres d'Héphaïstos, rien de moins, c'est évidemment une sacrée caution historique et je ne me permettrai pas de la mettre en doute, ne tenant pas à attirer sur moi les foudres de l'époux disgracié et malheureux de la trop coquette Aphrodite. Ah ! Voici donc de quoi il s'agit. Au départ, il y a chez notre pharaon une saine curiosité, un louable besoin de savoir. En l'occurrence, le problème qui taraudait Psammétique était de savoir si les Égyptiens étaient bien, comme ils le croyaient de toute éternité, le peuple le plus ancien de la terre. Ce n'était pas un mince problème, et bien des recherches avaient déjà été menées pour découvrir un moyen d'apprendre quel peuple était le premier apparu sur Terre. Elles étaient malheureusement toutes demeurées vaines. C'est alors que Psammétique, esprit éminemment pratique, et qui n'avait pas attendu de lire Claude Bernard pour se persuader des mérites et des beautés de la méthode expérimentale, imagine l'expérience suivante. Il prend deux nouveau-nés qu'il arrache à leurs parents. Il les confie à un berger, qu'il charge de les élever complètement à l'écart du monde, en lui enjoignant de les faire nourrir exclusivement par des chèvres et en lui interdisant par-dessus tout de leur adresser la moindre parole. Il s'agissait donc de créer, en quelque sorte in vitro, les conditions pour assister à la naissance du langage, étant sous-entendu que la langue que parleraient spontanément les deux malheureux cobayes serait par définition la langue naturelle de l'humanité et par conséquent la plus ancienne. Or, il se trouve qu'après 2 années de ce régime et passé les vagissements et les balbutiements du premier âge, un jour, quand le berger ouvrit la porte et entra dans la cabane, les enfants se traînèrent vers lui et prononcèrent, en lui tenant les mains, un mot que, pour l'évidente raison de rhétorique, je me garderai de révéler pour l'instant, mais rassurez-vous, ce n'est ni celui de Cambronne, ni celui de Jarre.
Hérodote précise, la première fois que le berger les entendit prononcer ce mot, il resta tranquille. Mais ayant remarqué que lorsqu'il entrait pour prendre soin d'eux, les enfants répétaient souvent ce même mot, il avertit le roi, qui lui ordonna de les lui amener. Visiblement, Psalmétique, qui devait attendre avec impatience ce moment crucial, voulait vérifier lui-même la chose de visu et surtout de auditu. Une fois cette vérification faite, il ne lui restait plus, pour aller au terme de son expérience, qu'à s'interroger sur l'origine de ce mot. Les docs philologues qu'il mobilisa pour la circonstance, et dont malheureusement Hérodote ne nous dit rien, lui apprennent alors que ce mot avait tout l'air d'être celui qui désigne le pain dans la langue des Phrygiens. Je me permets juste une toute petite parenthèse à propos des Phrygiens, pour rafraîchir un peu la mémoire sur ce peuple. Peuple d'Asie mineure, occupant un territoire situé entre la Lydie et la Cappadoce, sur la partie occidentale du plateau anatolien. Peuple surtout connu aujourd'hui par l'extraordinaire développement qu'il avait su donner à une branche généralement négligée de l'industrie textile, je veux dire la bonneterie. Mais revenons à Psamé et à son expérience. Puisque c'est apparemment un mot phrygien que ses enfants utilisent spontanément, il en conclut que c'est le phrygien qui est la langue originelle. La palme de l'ancienneté revient donc à ce peuple, rude déconvenue pour psamétique égyptien, mais telle est la dure loi de la méthode expérimentale. Or, et c'est là que je veux en arriver, excusez-moi, les choses ne me paraissent pas si simples. Il me semble en effet que psamétique et ses conseillers ont fait preuve dans leur interprétation d'une certaine précipitation. Et je voudrais, près de 26 siècles après, revenir et mettre en doute leurs conclusions et les contester le plus vigoureusement que je pourrais. Tout repose, on l'a vu, sur ce qui n'est après tout qu'un simple calembour, une homophonie, la ressemblance entre le mot prononcé par les cobayes et le nom phrygien du pain. Psamétique, sans hésiter, identifie l'analogue. Pourquoi ? Parce qu'à ses yeux, il va de soi que c'est la faim qui a poussé les cobayes à parler et que leur première parole a été tout naturellement destinée à réclamer du pain. Or, rien n'est moins sûr. Je crois qu'on peut, dans le cas qui nous occupe, rechercher ailleurs la raison qui a poussé ces enfants à parler. Car si, dans la conception de son expérience, psalmétique avait su être le plagiaire par anticipation de Claude Bernard et de Marivaux, il n'a malheureusement pas su en faire autant pour Freud, Piaget, Dolto, ni même pour Laurence Pernoud, et il a fait preuve d'une très insuffisante connaissance de la psychologie enfantine. Que pouvait en effet réclamer en tout premier des enfants élevés dans les conditions aussi sévères, aussi draconiennes que celles dans lesquelles nos deux malheureux collègues avaient été mis du pain? Pas nécessairement. Pour manifester ce besoin-là, les cris pouvaient suffire. Mais comme chacun sait, l'homme ne vit pas seulement de pain, et l'enfant encore moins. Il est donc probable à mes yeux que la première utilisation du langage n'ait pas eu pour but d'exprimer un besoin de nourriture. Il est clair au contraire que ce qu'il voulait exprimer en premier, avec cet outil merveilleux qu'est le langage articulé, c'était plutôt leur intense, leur irrépressible besoin d'affection. Cruellement privé pour les besoins de l'expérience, des soins et de la tendresse d'une mère, ce qu'il réclame avec une insistance, c'était tout simplement de l'amour, encore de l'amour, toujours de l'amour, et si possible, des manifestations concrètes de cet amour. Ce qui me mène donc à contester la conclusion qui élève le phrygien au rang de langue originelle, puisque cette conclusion, je le répète, ne reposait que sur l'homophonie entre le mot prononcé par les enfants et le nom phrygien du pain. Rien n'interdit d'aller chercher ce que ce fameux mot pouvait signifier dans d'autres langues. Et c'est à cela que je veux en arriver, parce que ce que j'ai découvert ne manque pas d'intérêt. Quelle langue, en effet, croyez-vous que nos cobayes avaient utilisé pour réclamer la part d'amour qui leur était jusqu'ici refusée? Avec une singulière préscience, ils ont d'emblée eu recours à la langue qui allait être, quelques millénaires plus tard, universellement reconnue comme la langue de l'amour. Vous avez déjà compris à quelle importante révélation je voulais arriver ce soir. Cette langue n'est autre, évidemment, que notre bel et bon français. Car ce fameux mot que l'on avait cru pouvoir identifier comme étant le nom du pain en phrygien est en réalité un mot on ne peut plus français et appartenant précisément au vocabulaire enfantin.
Le grand Larousse du XIXe siècle le définit ainsi, « petit baiser donné du bout des lèvres avec la prestesse de l'oiseau qui donne un coup de bec. » Et je puis enfin, pour finir, révéler ce mot. Ce mot, c'était le mot « écho ».